Yo, Bourri! Yo, boule pipi pipi pipi! Boule pipi pipi pipi! Ça va, Bourri? Ah, bah, il fait beau, ouais! On est content, le soleil. On dirait Paris! Le soleil. on peut voir ça comme ça. Ouais. On peut voir ça comme ça. En tout cas, on est de retour sur GTA Online pour une vidéo sur la nouvelle voiture qui est sortie hier. La Proto X80. Exactement. Voilà, d'accord. Qui est en vrai, alors, Bourri, parle-nous-en un peu de cette voiture. Est-ce que tu la connais? C'est la Ferrari XX. C'est la Ferrari XX. X. D'accord, Ferrari triple X. X, ouais, en fait, c'est la Ferrari qui est... Ils ont retiré tous les éléments de confort, tapis, clim, radio, etc. Elle est dédiée qu'au circuit uniquement. Elle doit coûter dans les 2 millions, 2 millions 5. Oh. Ouais, la Ferrari, elle coûte déjà 1 million quand même. Hein. Ah ouais, c'est Ferrari et c'est la Ferrari, tu vois. C'est The Ferrari, quoi. Ah, c'est cher. Donc, bah, écoutez, on va l'acheter. J'ai pas beaucoup d'argent, vous voyez, j'ai 3 millions 5, on va dire, grosso modo. J'ai un peu plus de 100 000 en poche, donc on va aller l'acheter, on va aller la customiser, puis on va aller la tester un petit peu, voir ce que ça donne. Donc on est bien sûr sur les gens d'Harry Motor Sport. Et donc elle coûte quand même 2,7 millions. Donc, avant, vous vous rappelez, on va trier par prix, vous allez voir. Tac, tac, tac. Non, tac, tac, tac. Voilà. C'est la voiture désormais la plus chère. Avant, c'était évidemment la T20. Voilà. Qui était la meilleure et la nouvelle meilleure voiture est la Grotti maintenant. Bah après de ce qu'on a pu voir, moi j'avoue que je l'ai testé ce matin avec un youtubeur que vous connaissez peut-être sur One, c'est The Dad. J'en parle souvent. Voilà, il m'a fait tester sa voiture et à cause de lui, bah maintenant je l'achète. C'est ça. Ouais. Voilà, maintenant je l'achète. T'avais pas du tout prévu. Non, j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite, mais c'est vrai que je l'ai testé, j'ai trouvé vachement légère. Ah, c'est une espèce d'F1 plus ou moins civilisé, rien que le bruit déjà en fait, c'est quasiment le même bruit qu'une F1. Tu parles du bruit, toi tu sais que tu l'aimes pas le bruit. C'est un V12 atmosphérique, elle doit monter pareil que la S2000 dont je te parlais tout à l'heure, elle doit monter dans les 10 000, voire même dépasser les 10 000 tours en vrai. Ah par contre, allez, il faut que tu fasses un dégradé de rouge, tu peux en trouver, quoi que tu fais ce que tu veux, mais oh, ça sera pour sur moi le bleu. Ferrari c'est rouge, quoi. Mais après, pas forcément. Je vais la mettre en bleu déjà pour l'instant, hop, on va la mettre donc ici, c'est mon garage des sportives et des super sportives, mais voilà, moi tu parlais du bruit du moteur, moi je l'adore, toi, dans la session ce matin avec The Dad, il venait me chercher qu'on appelle ça, au truc Tower, là, comment ça s'appelle ce... L'Eclipse Tower. L'Eclipse Tower, et je ne voyais même pas encore sur ma vue, si ouais, tu veux. Tu l'entendais. Ouais, j'étais en train d'entendre le moteur déjà qui arrivait, c'était assez génial. Et après, on a fait un petit tour de map, non, c'était vraiment... J'ai vraiment aimé, parce que moi, je suis un plot, hein, on va être honnête, en conduite. Hein. Et en automobile aussi. Et en automobile aussi. Oui. Et ma foi, non... Il reconnaît même pas quand même, il sait même pas que les Oracles, mon pote, les Oracles, il sait même pas que c'est une BM. C'est ça. Bon, si t'es dans le même cas, va acheter Auto Plus, un truc comme voilà. Ça, renseigne-toi. Donc on va l'attendre, elle devrait pas tarder à arriver dans mon garage, donc... Il fait bon, on dirait Marrakech aujourd'hui, sans les chameaux, dis donc. Ouais, on dirait Marrakech, mais il n'y a pas de dromadaire. C'est qu'en Maroc, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires quand même. Sérieux? J'ai un petit peu habité 10 ans. Je sais, mais je voulais dire chameau. Une bosse dromadaire de bosse chameau. Hein, c'est l'inverse. Non, une bosse dromadaire de bosse chameau. Chameau de syllabes de bosse. Pas con pour le pire. Donc on va attendre, c'est vrai qu'elle arrive... Attends, j'en ai une aussi. Les stalactites tombent et les stalagmites montent. C'est aucun rapport, hein, mais c'est juste les trucs mémotechniques. Comment je kiffe quand tu parles comme ça. je suis en transe là. Je suis totalement en transe. Bon, tu me la livres ma caisse ou qu'est-ce que tu branles là? Appelle-le, mécanote, tu rappelles. Non, mais je vais rentrer dans mon garage. Alors, je me suis amusé aussi à changer un peu ma Panto. Merci à Riton de la Vega de m'avoir montré comment faire. Donc voilà, maintenant, elle ressemble à rien, mais j'aime bien. Ouais, merci Riton. Ouais, ma foi, le toit ouvrant qui est en fait... Qui est pas là, en fait. Pas de toit du tout. Hein. C'est ça, exactement. C'est un toit invisible. C'est cool. Bon, on va le voir. Il devrait quand même pas tarder à arriver. Ça se trouve, j'ai reçu le SMS, mais j'ai pas fait attention. C'est possible. Ou alors, je me suis complètement trompé de garage. Elle est à l'autre bout de la ville. C'est possible aussi, me connaissant. Donc, elle est toujours pas là. Mais elle va arriver. Alors, je sais pas si elle spawn directement quand on est dans le garage. Ah, voilà. Nous confirmons la livraison de votre X80 Proto à votre garage. Spawn, je crois. Elle est juste là. Ah. Elle est quand même, elle est bonasse. Elle est quand même très belle. Donc c'est une Ferrari tout comme celle-ci. Hein. Ouais, là, carrément. Celle-ci que je... Grotti, c'est Ferrari Grotti. Que j'aime vraiment énormément. Ça, je le répète, c'est la Ferrari fort. Ouais, elle est magnifique. Bon, et ben écoutez, on va la prendre. On va aller au Los Custom. Et puis on va voir ce que ça donne. Ah, elle est pas mal, elle a des grandes jantes, elle est pas mal. Ah, les jantes, je les adore. Très très fin. Ah, mais... les jantes, je les adore. Franchement, waouh. Elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique.
Après, faut aimer le style. Hein. Faut aimer le style. C'est que ce genre de bagnole, ça suce l'essence beaucoup, beaucoup. Ouais, parce qu'il y a dans GTA, vrai, c'est que l'essence, tu t'en branles en fait dans GTA. C'est vrai, c'est que je pensais au moteur V12 qui pompe. Tiens, on est chez, c'est ton bureau, il est là, toi, Arcadius. Je peux te dire qu'il pompe plus que Katsuni, hein, je dirais pas quoi. Carrément. Ouais, Katsuni, petit débit après. Il me semble qu'il y en a un par là, on va voir. Ouais, c'est ça. C'est si tu ne connais pas Katsuni, je t'invite à aller regarder sur. Il y a le concurrent de YouTube. C'est pas YT, c'est YP. Voilà. Hop, appuie-moi-toi déjà, je sais pas la conduire, c'est bien. Hop, allez, on est parti. Non, elle est vraiment. Elle est classe. Elle est belle. Et puis elle trace, elle est maniable. Comme je te dis, hein, je me répète, mais là, ils ont pas entendu nos internautes. Dans les sauts, les jumps et les wall rides, j'ai un doute. J'ai pas vu, mais j'ai un doute. Elle est vraiment très classe. Elle est bandante. Allez, on y va. On va aller customiser tout ça, on va voir donc la Grotti X80 Proto. Donc Grotti, grosso modo, c'est Ferrari quoi. Ah c'est, ouais. Ah, il y a trois Grotti, la... comment elle s'appelle, la Carbonizzare, c'est la California. Ouais. La Turismo, c'est la Ferrari. Et elle, c'est une espèce de la Ferrari, mais XX. Ok, donc bah blindage évidemment à 100%. Frein. J'aime bien quand il y a des X. Frein. Là, il y a deux X. Il est content. Et ouais. Pare-choc avant, je verrai ça après Carbone la peinture. Carbone ne sort pas grand-chose, tu devrais les foutre en peinture machin. Non, mais je vais voir après avec la peinture, justement. L'échappement, t'as kiffé l'échappement hier. Phare, évidemment, phare au xénon. Ça va. Kit néon, bien sûr, partout. Hop, avec un petit bleu, de toute façon, elle sera bleue, donc autant que je la mette déjà bleue. Ça, c'est... Alors, la couleur, l'une des couleurs les plus sympas, c'est pas le bleu, c'est... Regarde les Sales en une, tu vois, elle va te plaire. Ouais. Regarde le bleu électrique, je connais pas, mais il y a. Descends tout en bas, tu devrais l'avoir. Ouais, vas-y. Hop. C'est la lumière noire. Ah, pas mal. Allez, je te fais plaisir. Ouais, je dépense 9500 en plus, je suis content. Les plaques, on s'en fout. La peinture, on verra ça. Les plaques noires, on juste les verra à la fin. Le bas de caisse. Ah non, la peinture, on va faire ça maintenant, en fait, comme ça. Alors, couleur principale, métallisée, ça c'est sûr. Hop, attends, qu'est-ce que je pourrais mettre? Mettre un bleu, parce que moi j'aime le bleu, tu comprends? Ah, j'aime mais c'est une belle couleur. Bleu. La créa pourrait être pas mal aussi, avec un bleu et une autre couleur qui fait varier la. Qui fait un dégradé. C'est dégradant. Moi je mettrais un bleu, je sais pas, en fait j'en sais rien pour l'instant. Ça me prend du temps, je vais peut-être pas faire ça en vidéo, parce que moi je suis très très long pour le choix des couleurs. Bah ouais, bah prends un bleu nocturne, prends un rouge dans le pire. Bah pour l'instant je prends un bleu nocturne pour l'instant, ouais. En couleur secondaire. Nocturne ça veut dire la nuit, hein, pour ceux qui savent pas. Sérieux? Ouais. Moi personnellement je savais pas. Je sais plus qui m'avait. Je crois que c'est la question Tox qui me disait, tu sais ce que ça veut dire tapage diurne. Le mec a 20 balais, il a dû découvrir ça la veille, il me dit, tu sais ce que c'est tapage dur? Je lui dis, oui, je suis pas un boulet, moi. Ah, mais c'est Tox, c'est spécial du fait, c'est celui qui sait pas, c'est tapage, tapage, c'est être trop bruyant, mais diurne, ça veut dire le jour. Putain, mais il faut être con pour voilà, pas le savoir. Tapage ouais, nocturne, tapage diurne. Tu sais quoi, je vais mettre un vert marin, c'est très moche, et ça me va bien, voilà. C'est très cool. C'est quoi, c'est l'autre couleur, ça? Ouais, vert marin. Alors là, par contre, tu vois, il y a des choses en plus, ouais, couleur finition. Alors ça, c'est pour l'intérieur, je crois, ouais, voilà, c'est pour l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant je vais mettre rouge, non c'est pas, ça va pas ensemble. Je vais mettre c'est vrai que je suis très très lent, je peux pas faire des vidéos sur la peinture parce que moi je suis quand même super, super très, vraiment très très lent. Alors ça j'adore, ça j'adore. En plus ça fait effet néon, on dirait une barre lumineuse. Ça c'est juste trop beau, c'est juste magnifique, c'est juste splendide. On va mettre un petit bleu comme ça pour l'instant, de toute façon je la referai, ça c'est certain. Emblème de crew, non. Alors, emblème de crew, bah, vous voyez en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, il y a un bug en fait avec le fond transparent. Parce que nous, regardez notre emblème de crew, et bah, il a un fond blanc alors qu'il ne va pas avoir de fond blanc. C'est bien moche comme ça. Ah, comme ça, c'est très très moche, voilà. Mais on n'est pas les seuls, hein. J'ai discuté justement tout à l'heure avec Riton de la Vega qui me disait que dans le crew de Fermta, c'était pareil. Et ils ont le même souci, donc on est obligé d'attendre pour l'instant. Attends, tu ne le mets pas s'il te plaît, merci. Et voilà. Après, donc maintenant je peux remonter. Attends, j'avais. Caisse et pare-choc avant. J'avais zappé un truc, le pare-choc avant. Alors, faut voir, pare-choc avant. Carbone, tu vas le payer un peu du cul alors qu'on va même pas voir qu'il est noir. Ouais, non, pour l'instant. Couleur, il est noir. C'est couleur secondaire, c'est très bien. Voilà. Non, je vais pas quitter. Donc, il n'y a pas pare-choc arrière. Non, il n'y a que pare-choc avant. Y a pas de... Non, t'as un aileron à l'arrière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un aileron à l'arrière, c'est vrai. Et t'as l'échappement aussi que t'avais kiffé une fois que t'as pas mis. Alors, attends, bas de caisse. Donc là, c'est pareil, je vais mettre couleur secondaire. Voilà, très bien. Ouais, très bien. Les câbles, aileron. Alors, aileron, il y en a déjà un d'origine. Ouais, plus ou moins. Ouais, voilà. Si, c'est quand même un aileron. Ouais. Il y a celui-là.
que je trouve très bien. Ah, je trouve que c'est le plus beau. Ouais. Il y a celui-là. Ah oui, si, il est bien. Ah, celui-là, non. En tout cas, celui-là, il est trop bien. En plus, il est trop cher. Fait chier. Il y a soit celui-là, soit celui-là. Soit celui-là, ça sera celui-là. C'est voilà. Le même, en fait. Ça, les LED sur les côtés. Voilà, c'est ça. Suspension. Et LED. Suspension. Ah, ouais. mais les compètes, hein, tu verras bien. Si ça passe pas, tu remonteras. Ouais. Ça, je suis pas sûr pour les wall ride, pour les choses comme ça, que ça puisse passer en la baissant à fond. Je sais pas. Non, en tout cas, crachera mieux dans les virages. Hein. Ça, tu la sens la différence quand même. Bon, vas-y, on le met, on verra bien. De toute façon, au pire, ça peut changer. Transmission, il va évidemment pas. 40 000 balles la transmission. Fond. Le turbo, bah évidemment. Ah, je veux le turbo. Les roues, je ne change pas du tout. Je les trouve parfaites. J'ai aucune envie de les changer. Je les trouve juste très bien comme ça. Fenêtre, j'y touche pas. Et bah, ma foi. C'est parti. On a la petite X80 avec nous. Oui, je veux bien quitter Los Santos. Et la voilà. La voilà, la voilà. Gonflé à bloc. Bon, elle est très moche là quand même. Je me suis. Hein, c'est... Voilà. Ouais, t'aurais pu prendre des plus belles assortiments de couleurs. Ce qu'on va faire. Ouais, je sais, mais c'est vite fait. Explose-la. Ouais, alors, je vais l'exploser, t'as raison. C'est vrai ? Alors, attends, c'est où je sais. Même plus porteur de véhicule. Même pas, t'as les couilles de la péter en direct là avec tout... un C4. Voilà. Non, c'est pour savoir combien elle coûte, remarque, on pourrait savoir. Donc le moteur est à l'arrière. T'as vu, t'as fait ça avec une télécommande ? Ouais, t'as remarqué. Si. Ça monte du doigt. Voilà. Regarde, mon vêtu. Voiture de moi. Voiture. Attends. Voiture de moi. Ah bah j'arrive même pas à le faire. Voilà, voiture de moi. Elle est à moi. C'est ma voiture. Ah, écoute, on peut. Hop là, rétablir. Tac. Ah, plaque noire, t'as eu l'erreur de laisser la plaque en blanc. La plaque en noir. Mais non, mais après je vais la changer, de toute façon. Ah. Je vais prendre mon temps, mais pas, je vais pas faire chier nos millions d'internautes. C'est vrai. Tu vois, voilà, parce que je suis tellement lent là-dessus que c'est pas la peine. Donc on va aller un peu la tester. Alors ce qu'on va faire, parce qu'on est dans... C'est qui d'ailleurs moi ça? C'est un futur mort. Ah bah Riton. Ah c'est Riton. C'est Riton, Riton il est là, Riton. Hop, vas-y, monte Riton, monte avec nous si tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le groupe parce que je vais remettre le... pour que vous entendiez bien le son... Du jeu. Du jeu. Hop, tac, tac. Je quitte le groupe. Il peut peut-être pas monter. Ah ouais, il peut peut-être... Ouais, c'est ça. Attends, Riton. Ouais, attends. Crew, ami. Voilà. Voilà le son de la voiture. Voilà, un beau bruit de F1 quand même, ça sent. Fais voir la vie intérieure, voir le routeur. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, ça. Non, tu veux pas. Voilà pour le bruit de la voiture. Vas-y, je me mets là. Ah ouais. Alors, vue intérieure. Contour. Ah, elle monte à pas loin de 9000 en vrai, elle monte à plus de 9000. Alors, tout à l'heure, tu sais, normalement, ça arrête tout à 120, mais d'accord. 120 miles, ça va, elle bloque. Voilà, bloc. Et bah elle monte à 130. Ah, il y a un petit plus. Oh, bah ça, salut. Hop, là, hop. Elle monte à 130. Hop. On va aller sur l'autoroute. Fais voir. Ah ouais, non, il faut l'autoroute. Ah, sous la pluie, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud sous la pluie, ouais. Ah, regarde, ça va, ah, ce qu'on dit, mais elle est parfaite, cette caisse. Donc là, t'as plus de sous. En là, j'ai plus de sous. Je n'ai absolument plus de sous, mais c'est pas grave, l'argent est fait pour être dépensé, j'ai envie de te dire. Ah ouais, c'est quand même plus marrant. C'est, voilà, je voulais m'acheter un entrepôt de 111 caisses, et ben ça attendra, je vais farmer encore un petit peu mon entrepôt moyen, et puis voilà, ça le fera. Hein. Alors c'est pas là que j'allais tourner. Pourtant, je commence à bien la connaître, c'était putain de map à force. On va la tester sur l'autoroute, et tu vas voir, je vais mettre la vue intérieure. T'as le temps de sortir de droite, d'ailleurs. Ouais, et tu verras que ça arrive, on y va, hop. Alors, par contre, avec ce genre de caisse et sous la pluie, faut vraiment que tu apprennes à pas rester appuyé sur RT. Voilà. Ça, c'est... Hop, bah, c'est pas putain, ma faute. Chauffeur. C'est pas ma faute. Ah. C'est pas ma faute. Sérieux, c'est pas ma faute. Hop, ah, bon. C'est le PMG que j'ai fait. Voilà. C'est nullement ta faute. Ça doit pas nullement ta faute. C'est bien plus grand. Hop. Ou ouais. Qu'ils l'ont bien fait, regarde, le volant. Regarde, après le 120, là, je suis au 120. Si je me trompe pas, c'est que. Hop, voilà. Regarde, elle va monter un peu plus. Ah, là, t'es à 130. Voilà, tu vois, là, je suis à 130. Voilà. Et c'est la seule voiture qui monte à 130. On avait déjà regardé, toi et moi, il me semble. Ouais, j'ai toutes 8 et 20 internautes tourisme, je les ai toutes faites. Ouais, bon, tout à 120, celle-ci monte à 130. C'est clairement la plus rapide. Ah oui, c'est clairement la plus rapide. Puis 10, c'est pas 10 km/h, hein, c'est 10 miles. Hein. Ouais, 10 miles, ça fait au moins 15 bornes d'écart. 15 bornes, c'est pas mal. Non, elle est vraiment belle. 120, elle claque le 250 dans le jeu, c'est encore très faible. Mais bon, on s'en contente pas. Donc à mon avis, alors je sais pas, après il faut qu'on la teste dans des courses, les courses déjà normales on va dire, et puis des courses aussi un peu avec des wall ride. Farfelu. Des courses farfelues. Farfelu. Voilà. J'aime bien ce mot. Moi, farfelu. Farfelu. Et toi on devrait s'appeler d'abord les farfelus. Les farfelus sur YouTube. Bref, et faut la tester voilà, avec des jumps, avec des courses à jump, des courses à wall ride, voir un peu ce qu'elle donne. Mais moi les premières impressions, franchement,
Ouais, claque du slip, voilà, arrache un peu. Ah, moi, elle est chère. En fait, quand tu fais les ailerons, ils se remontent aussi. Là, tu dis, hop, ah, exact. C'est sympa. C'est des ailerons aérodynamiques. C'est ça, lui il va juste faire un vol. Vas-y le moteur. Ah ouais. Allez. Tiens, alors, je te laisse la manette pour finir la vidéo. Fais-toi plaisir. Teste-moi ça sur l'autoroute. Ah, moi je vais regarder combien elle coûte quand tu la pètes. Non. J'ai plus d'argent, laisse-moi tranquille. Ah bah elle va coûter une balle, elle va coûter au moins 50 000 balles. Tu sais quoi? Fais-le. Non. Ah, comme ça, si, pour nos millions de youtubeurs. Ça, ouais, moi, je vais le faire, mais c'est pas mon blé, donc c'est pas une question. Ah, oui, c'est pas grave. On saura combien elle coûte. Voilà, pour ça. Maintenant que tu me proposes, j'ai plus envie de leur dire. Ah, ils le sauront pas. T'as l'esprit contradictoire. C'est exactement ça. Ah, putain, t'es chiant. Ah, chauffard. Ouais, la 130. Allez, c'est une peur qu'on va l'accéder. Ah, elle a un bruit, elle monte dans mes aigus. Ah, je kiffe. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Ah, 2,7 millions, ouais, elle a intérêt d'être jouissive, la bagnole. J'ai pas fait attention au niveau de la customisation, donc tu dois rajouter un million peut-être. Non, peut-être pas 2 millions, 300, 400 000, facile. Déjà le blindage, rien que le blindage avec tout ça, il coûte 50, le turbo coûte 50. Ouais, ça fait déjà 100 000. Ah, ouais, ça fait. Ouais, pas loin d'un million, je pense. 500 000, ouais. Je pense pas loin d'un million. Pas me soulever, t'inquiète. Oh, je crois qu'on peut arrêter là. Alors. Oh la vache. Bon bah voilà, c'est tout. C'était tout. C'est tout. Attends, si, il faut terminer sur l'explosion. Et non. Ah bon bah écoute, t'as pas voulu exploser ma voiture. Aucun respect de la roquette. Je te remercie, t'as pas voulu exploser ma voiture. Oui, c'est vrai, je suis gentil. Ah, t'es loin, il fallait que je cours. Je t'ai quand même donné l'autorisation, mais bon, tu veux pas. Mais écoutez, voilà, c'est des infos. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui traînent également sur cette voiture, mais la meilleure, c'est la nôtre. Ouais, forcément. Voilà. On dit que c'est la Ferrari X. Oublie complètement les autres. Ah, et même la salle. Petit joueur. Ah, vas-y. Évidemment, on rigole. Allez, bah écoutez, bah à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bonne journée sous le soleil. Et cultivez-vous le soleil. Le farfelu. Nanana.